tout nouveau vidéo spécial caméra. Aujourd'hui, ce sera une caméscope ultra HD, UHD, qui fait 4K, qui fait Wi-Fi. Donc, je vous dis tout de suite pour une présentation et après une démonstration simplifiée. Voilà, donc à de suite hein, pour cette caméra achetée chez Amazon à 149,90€. Donc, en promotion. Donc, à tout de suite hein, pour ce petit test de présentation après le test de démonstration. Donc, à tout de suite. Donc pour commencer, on va mettre bien sûr les piles. Donc, c'est bon, mettez des petites piles, un peu les grosses, des piles comme ça, hein, des piles moyennes, petites. Donc, la commande. Voilà. Parce que c'est pas fourni, je l'ai dit au début. Voilà. Là, c'est mis. Hop. Voilà. Et voilà. Normalement, ça devrait fonctionner. Alors, j'allume la caméra. Voilà. Hop. C'est allumé. Tout simplement. Donc là, V. Voilà. Éteindre. Donc là, vous voyez sur la caméra. Vous voyez, hop. Quand j'allume, c'est bien parce qu'en fait, c'est pratique. Bon. Allumé. Là, je l'ai éteint. Donc, bien allumé quand même. Hop. Voilà. Donc, on s'allume. Voilà tout. Je ne sais pas si ça s'allume, si ça s'éteint ou si ça s'allume après. Donc, là, si je fais ça, ça va s'éteindre. Voilà. Là, ça s'éteint. Je ne sais pas si ça s'allume ensuite. C'est de voir. Donc, non, la queue pour éteindre. Bon, c'est pas un problème. Donc, là, je reviens dessus. Voilà. Bon, c'est un petit bémol, mais bon, en plus, voilà. Ensuite, j'ouvre le cache qui est là. Voilà. Hop, et normalement, pour la lumière, voilà, la lumière, elle est nocturne. Et nocturne, vous voyez, c'est comme ça. Voilà, elle est nocturne exactement. Voilà. Ensuite, pour la caméra, vous voyez, on peut filmer comme vous voulez. Donc, là, vous avez carrément l'effet qui est dessus, voilà, comme ça. Donc, vous avez les petits boutons qui est juste là, vous voyez, les petits boutons qui est juste là. Donc, vous pouvez appuyer sur, par exemple, sur la lumière qui est là. Donc, la lumière, vous voyez, hop, la lumière qui est juste là. Là, c'est dans la nuit, hein, pas mal aussi. Donc, vous voyez à peu près la caméra dessus, voilà, justement. Donc, ça, c'est bien quand même, hein. Là, c'est assez pratique. Donc, si vous voyez pas clair, vous savez, dans l'obscurité. Ça peut servir aussi. Voilà. Donc, ensuite, je ne filme pas. Non, je ne filme pas pour l'instant. Donc, là, là, je fais seulement le test. Donc, là, vous avez carrément les trucs. Attention, là, vous avez ça. Donc, là, j'éteins la lumière. Hop, j'éteins. C'est pas mal. Vous pouvez même aussi essayer de faire allumer avec la caméra. Voilà. Nocturne. Bon, c'est nocturne. La caméra qui fait nocturne. Voilà. Voilà, pareil, ouais, hop, vous faites ainsi. Donc, vous allez faire les deux, vous allez faire comme ça, ou comme ça. Voilà, avec la caméra, c'est aussi pratique. Ouais, c'est aussi bien. Donc, on va dire que sur l'ensemble, c'est pas mal. Donc, on va dire que d'un côté, on peut essayer aussi mode. Donc, mode, voilà, vous allez mettre là-dessus. Donc, on peut dire le mode direct. Donc, là, vous avez ça. Vous voyez, hop, vous allez dessus. Donc, ensuite, vous voyez avec la caméra, c'est plus facile avec la caméra. Vous pouvez faire aussi pareil avec les doigts, hein, parce que c'est scram touche, voilà tout. Hop, scram touche, c'est pas mal. Vous pouvez faire les deux. Hein. Voilà, voilà. Donc, aussi, vous avez carrément le truc. Hop, comme ça, voilà, c'est plus simple. Voilà. Vous avez ça. Donc, ensuite, je vais essayer de faire comme ça. Voilà, hop. On voit à peu près, vous voyez, hop, comme ça. Ensuite, vous allez faire OK, voilà. Donc là, je vais carrément sur prolongation directe enregistrement. Donc, enregistrement, je ne sais pas dessus vraiment. Là. On va prendre la photo, hop, une photo directement. Voilà. Donc, le problème, j'ai pas de carte mémoire. J'en vais mettre une. Donc, je vais mettre une carte mémoire, parce que c'est pas fourni. Donc, c'est tout de suite hein, pour la suite.
ce log spécial, le test de la caméra 4K YouTubeur. A tout de suite. Donc maintenant, on va mettre, comme j'ai dit, la caméra. Donc, après la caméra, entre deux, je vais mettre, parce que moi, la part de carte mémoire, je vais en mettre une truine de 32, je crois que c'est une 32, je vais mettre. Vous pouvez mettre micro SD au SanDisk, c'est pareil, donc 64 Go, je mets 64 Go sur une petite carte mémoire comme ça, micro SD, hein, dedans. N'empêche pas l'autre. Mettre ça dedans, juste sur la fente qui est là, comme ça, hop. Ensuite, vous avez pas fait voir, les mono de batterie qui est dedans, vous mettez la fente qui est là dedans, voilà. Vous le mettez directement sur le truc, voilà, et vous fermez carrément le petit boîtier à cet effet. Voilà. Et ensuite, vous ouvrez directement la caméra, voilà. Hop, ça termine. Voilà. Et normalement, ça devrait filmer ou prendre des photos. Voilà. Normalement, vous faites, par exemple, là, vous faites 8, donc, allez, quand même. Donc, bon, c'est pas encore en français, hein, c'est pas encore mis. Donc là, vous faites 8. Voilà, hop, donc c'est fait. Donc, là, vous voyez, vous avez carrément la caméra. Donc, pour ça, je vais faire pour une photo. Donc, faire ça. Hop. Donc, quelques réglages à faire. Et voilà, quelques réglages dessus. Donc, je vais voir. Donc là, je vais faire menu. Donc, c'est vrai que la batterie, vous voyez, elle se décharge un peu vite. Donc, je vais faire menu, voilà. Donc réglage, donc réglage direct. Voilà. Ensuite, je vais faire comme ça. Donc, hop, donc réglage direct. Voilà. Donc, je dis à tout de suite, un petit réglage simplifié pour faire voir comment ça fonctionne. Donc, à tout de suite. Donc voilà, donc j'appuie, bon, j'ai mis la caméra comme ça, c'est plus simple. Donc là, j'appuie sur le bouton là, la cache D, voilà. Et ensuite, vous allez sur menu, je vous le régler faire en français. Normalement, pour le réglage, vous allez régler ça directement. Donc pour ça, vous allez sur là-dessus, là, réglage. Donc pour régler, il faut que je regarde à peu près le réglage de l'appareil. Donc vous voyez ça. Directement, hop, beaucoup de réglages là-dessus. Bon, je regarde le réglage de mode, voilà, mode là-dessus. Voilà. Donc, j'aurai l'appareil. Donc, j'ai regardé un peu le manuel, savoir comment ça fonctionnait. Donc, pour essayer de faire comprendre l'appareil, donc vous appuyez là-dessus pour différentes caméra, donc là vous avez caméra comme ça, donc vous pouvez appuyer dessus, voilà, hop, vous avez caméra directement avec son, donc vous avez l'heure, voilà, donc 12 minutes, dès que je filme, donc là vous avez la date, voilà, donc vous avez aussi menu, mode, voilà, la batterie et la carte SD, ouais, et le micro, donc aussi les wifi, donc les wifi, j'ai pas encore mis, mais on peut la mettre. Donc ça, c'est un point. Ensuite, vous appuyez aussi. Là, c'est le mode. Hein. Je n'ai pas fait voir. Là, c'est le mode. Donc, mode. Vous allez sur mode. Et après, vous allez directement sur le petit bouton qui est là. Ouais, sur Wi-Fi. Bon, Wi-Fi, on va faire ça après. Donc là, vous allez sur menu. Donc, menu. Bon, je ne vais pas aller dessus. Donc, je vais faire ça après aussi. Donc là, vous allez sur... Voilà. Donc, sur Dune. Donc, Dune veut dire chercher. Vous allez dire ça. Bon, je ne connais pas vraiment l'anglais, mais bon. Voilà, vous allez sur Dune. Donc là, vous allez sur mode. Voilà, donc là, pareil. Vous avez mode photo. Donc, tout simplement. Ensuite, vous avez mode pareil. Vous avez plusieurs modes attractifs. Donc, pour ça, on va appuyer
Si, bon, on va faire chez mode directement. Voilà, donc là, c'est pareil. Vous avez là-dessus, voilà. Donc là, vous avez plusieurs modes. Donc, vous avez aussi les paramètres. Voilà. Hop. Donc là, vous avez mode lecture. Donc là, c'est mode extérieur. Là, vous avez vidéo. Là, vous avez aussi shorty, donc où je regarde ce que ça veut dire. Donc c'est en anglais, bon, en français on l'a pas. Là, vous avez loop, tout. Là, vous avez lampe. Donc la lampe directement, vous avez la lampe qui est juste là. La lampe qui est juste là, hein. C'est fait au début. Donc la lampe qui est juste là, voilà, c'est ça. Nocturne, dans la nuit. Et là, vous avez aussi d'un côté lampe. Là, vous avez photo, vous pouvez prendre les photos directement. Et là, vous avez directement automatique. On va faire automatique directement si vous voulez. Donc là, on va essayer de filmer. Donc, je vais essayer sur le mode là-dessus. Donc, je vais essayer un autre paramètre. Donc là, je vais essayer. Là, je suis pas sur. Voilà. Voilà, vous avez photo, vidéo. Voilà. Il y a plusieurs trucs. On n'a pas fait voir ça. Parce que je cherche entre deux. Donc là, vous avez vidéo, vous avez photo, ah, c'est plusieurs temps en même temps. Donc là, vous avez shorty, vous avez mode directement direct shorty. Là, vous avez loop, vous avez lampe, voilà ça, les photos, les vidéos. Voilà, vous avez deux trucs différents, ouais, tout simplement. Donc là, je vais essayer de filmer quand même. Certains angles dehors, on va voir dehors ce que je peux faire. Voilà, tout simplement. Donc, bien sûr, paramétrage. Donc, je vais essayer de m'enseigner, ça veut dire quoi tout ça, parce qu'en fait, l'anglais, je connais pas beaucoup. Donc, je vais essayer de voir sur le manuel. Bon, la vidéo, on sait, hein, mais on va story, machin, on va se c'est marqué. Alors, je vous redis ça. Donc, à tout de suite. Avant de commencer, nous avons enlevé le petit truc qui est dessus. Voilà, on ça. Voilà. Et je vais mettre directement le micro intégré parce que pour entendre, c'est bien. Et des fois, il y en a qui m'entendent pas parce que le son est moins fort. Donc là, j'achète une caméra exprès pour YouTubeurs. Voilà. Hop. Donc là, je vais le mettre comme ça. Un petit micro exprès. Hop. Comme ceci. Ensuite, je vais mettre le petit bridge jack dessus. Donc pour ça, faut que j'ouvre carrément l'arrière. Voilà. Et je vais mettre directement ça au-dessus. Voilà. Hop, comme ceci. Ensuite, je vais allumer le petit truc qui est dessus. Voilà. Hop, ça. Voilà, c'est allumé, c'est en bleu. Tout simplement. Vous pouvez même recharger USB. Voilà, directement. On a le micro qui est dessus. Voilà, vous pouvez monter ça. Aujourd'hui, voilà, directement. Si vous mettez ça ou pas du tout. C'est vous qui voyez, et ensuite je vais mettre directement le petit cache anti-lumière pour pas qu'il y ait trop d'ombre. Voilà, ou vous pouvez mettre aussi directement le gros truc dessus. Voilà, on ça quand même professionnel. Voilà, vous voyez, hein, c'est très bien équipé. Voilà, tout ça. Donc maintenant, j'ai filmé, vous allez voir. Vous n'allez pas me voir moi, mais vous allez voir peut-être ma copine ou dehors. Donc je vais voir filmer tout ça bien tranquillement, bien comme il faut. Vous aurez à peu près comment ça fonctionne. Voilà. Donc à tout de suite pour ce vlog. À tout de suite.
peu près commencer mon tour. Bon, à peu près je commençais, voilà. Après, ce qu'il y a. Vous faire à peu près comment ça fonctionne la caméra 4K UHD, voilà, du DVC, voilà. Donc j'étais pour la fin de celle là. Bon, question nocturne, il faut avoir assez aussi à part le film. Donc à tout de suite. Donc pour voir comment ça fonctionne, parce que là j'ai pas en français, j'ai qu'en anglais. Donc spécifiquement ça Scholzi, plutôt Scholzi, ça veut dire lentement, et celui-là, le loop qui veut dire boucle, et laps qui veut dire bon, laps, voilà. Donc tout simplement, laps c'est en bas, hein. Juste là, hop, tout simplement. Parce que là, je fais ça avec la caméra, c'est plus facile. Donc voilà, vous avez fait voir à peu près les fonctionnements de la caméra et tout le mode, tout ça. Donc ensuite, vous allez directement, par exemple, direct caméra lentement, donc lentement, dire vous faire filmer lentement. Donc je vais essayer de filmer lentement, je sais pas comment ça va faire. Vous verrez ça sur la vidéo, hein, vous ferez voir ça directement quand j'aurai fait le montage, tout simplement. Donc ensuite vous avez toutes les fonctionnalités, donc vous avez aussi nocturne, voilà, en rouge, je vais faire voir ça, hop, pareil, sépia, voilà, tous les modes, sépia, hop, voilà, tout simplement. Alors, vous avez la lumière, vous avez fait au début, voilà, vous avez la lumière comme ça. Et vous avez la lumière nocturne directement là-dessus. Voilà, la lumière nocturne qui est juste là. Voilà. Donc, tout simplement. Donc, maintenant, on va essayer de filmer directement la caméra. Donc, à de suite pour la suite de ce vidéologue spécial. Démonstration de caméra pour YouTubeurs. Donc, à tout de suite. Donc, maintenant, je vais faire voir ce que j'ai filmé sur le tour de levant aux onglis. Voilà, c'est le tour que j'ai fait voir. Donc maintenant, vous faire voir ça pour le montage, comment ça fait. Donc à tout de suite hein, pour la suite de ce vlog, avant la fin. À tout de suite. Donc après avoir filmé les tours, maintenant je vais, avec le quartier bien sûr. Donc maintenant je vais monter sur l'ordinateur, donc vous verrez. Donc je vais voir ça pour ma caméra qui est juste là. Donc je vais mettre le câble USB sur l'appareil, le brancher, et je vais monter comment ça fait directement pour le montage pour YouTubeur. Voilà, donc à tout de suite pour un petit test et essai. À tout de suite. Donc pour commencer, je vais mettre directement le truc de la caméra, que vous voyez. Hop, vous pouvez y mettre le machin dans le truc, vous faites voir ça. Donc je vais mettre ça, regardez, hop. Mettre directement le câble USB sur le truc de la caméra comme ça, voilà, directement, hop. Et là c'est le truc HDMI hein. En dessous c'est le 9V1, moi j'ai pas le câble mais pour acheter un en option, voilà. Donc ensuite on fait le petit jack est là pour le son de qui est là, vous voyez, pour le micro vous enlevez, et là vous le branchez directement sur l'ordinateur USB, voilà. Donc maintenant on va essayer directement pour la caméra. Donc tout de suite. Voilà. Bon, pour commencer, vous avez changing mode qui veut dire changement de mode d'un côté. Ensuite de l'autre, vous avez donc la mode storage mode, manque de on va dire ma stockage mode. Donc là, je veux dire storage, hein, dire mode storage masse storage mode. Je me trompe à chaque fois. Ça fait le mode stockage de masse. Pour celui du milieu, et ensuite pour celui du bas, ça veut dire, et l'autre d'en bas c'est PC caméra. Donc ensuite vous allez sur, vous allez là dessus voilà, vous appuyez pour récupérer les vidéos. Bon, je vais vous refaire, si vous n'avez pas vu. Donc récupérer vidéo, je rebranche les branches USB, vous remettez USB, voilà, USB, hop, et vous allez directement sur mode, voilà, comme ça. Et ensuite, vous allez sur son disque, vous récupérez carrément les vidéos sur l'ordinateur. Voilà, vous faites ça, voilà. Et ensuite, vous faites une petite droite, vous prenez une autre
dossier, voilà, hop, comme ceci. Et ensuite, vous prenez dossier, tout ce qu'il y a. Donc, on prend tout, voilà, hop. Et après, on pénètre tout là-dedans, voilà, comme ceci. Voilà. Vous prenez tout le dossier directement dedans, voilà. Après, on ira pour le montage directement sur l'ordinateur. Voilà. Donc, la vidéo directement. Voilà. Un peu direct. On va attendre que tout soit chargé. Et après, on mettra les vidéos directement pour le montage. Voilà. Après, on ira pour la fin de ce vidéo vlog. Tout simplement. Donc, à tout de suite. Après, visagement des vidéos. À tout de suite. Donc maintenant, pour le réglage du langage, donc là vous allez sur langage, donc là langage, là vous êtes en Espagne, enfin Espagne, là vous êtes en English, ah, je me suis trompé, ouais, ça va très vite, donc je recommence. On est carrément parti à l'ouest, hop, voilà, donc je vais recommencer. Donc pour la langue, vous allez sur paramètres, donc là, carrément sur langue, donc je vais mettre français, voilà, hop, facile, et ensuite on va aller sur horloge, donc horloge, chercher où c'est, donc on va chercher hein, dans le paramétrage, hop, vous avez peut-être la caméra, donc la télécommande est plus simple, hop, voilà, alors, là aussi, hotspot, il y a de tout, donc, voilà, c'est horloge, enfin taux, date et heure, donc la date. Je vais chercher ça. Bon, je me suis trompé tout à l'heure, donc là je vais mettre en français. Voilà, hop. Là, je suis en français. Donc maintenant on va mettre un réglage effet. Bon. Ensuite on va mettre en français, hop, voilà, paramètres, système musique, langue, c'est fait, date et heure, voilà, date et heure, hop, donc mode, améliorer mode touriste, ok, jour, ok, donc, on va voir celui-là, voilà, voici mode qui est mieux. Là, hop, donc c'est fait, data, voilà, donc là, la data, je vais mettre carrément, donc, je vais mettre la data dessus, donc là, on est le heure, leur heure, on va voir que l'heure il est, bon, là, il est 17h04, donc, je mets 17h04, alors, heure, 17h04, donc, voilà, heure. Directement 17h après 04, donc là tour en arrière, voilà. Donc là il est à peu près 5, on va mettre à 6, voilà. 6, attendre, donc voilà il est 6, donc là 6 c'est bon, et les minutes 6 et 1, 3, 8, 1, 10, voilà, donc là c'est bon, pour l'heure c'est bon, donc là voilà, donc ensuite on va essayer, là voilà, c'est fait, ok, donc là appuie sur le bouton là, valider, voilà, on direct, ok, ça c'est fait,
La télécom, c'est pareil. Hein. 14, 15, 16, 17, voilà. 17h, hop, on tire ça. Et ensuite, on appuie sur OK. Validé. Donc, on va voir ça. Donc, pour l'année, c'est pareil. Donc, là, on est en 2020. Donc, ensuite, hop, 2020. Hop, 2020. Ensuite, on va aller à l'autre. Voilà. Donc, 2020. Donc, 2020. Hop, voilà. On est le 7, 8 du mois, donc 8 du mois. Voilà, on est en mois de septembre et ensuite on est le 12. Voilà, hop. Là en arrière, direct. Voilà, le 12. Ok, et là, vous appuyez sur OK. Voilà, c'est fait. On va passer maintenant à l'autre. Modélisation. Donc, paramètres tonalité. Voilà ce que je voulais voir. Donc, paramètres tonalité, vous allez là-dessus. Soit vous avez moyenne, petit ou désactivation. Soit vous avez le petit, donc là vous appuyez là-dessus, vous n'avez plus de bruit. Soit vous allez directement dessus, vous voyez basse, petit, ou sinon vous avez en plus haut. Attends, je retourne en arrière. Soit enfin, je me trompe. Voilà. Alors, vous voyez petit, vous voyez tout grand. Voilà. Tonalité, basse, rachet basse. Vous avez moyenne, voilà. Vous avez grand, voilà. Mais moi, je préfère directement qu'on s'ennuie, qu'on soit un peu embêtant. Donc moi, j'appuie sur les activations. Voilà. Donc il y a à peu près hein, le fonctionnalité de l'appareil du caméscope. Et vous voyez en LED. Vous avez aussi fréquence basse, mais assez fort. Alors vous avez aussi les zones, ça sert à rien. Voilà, vous avez aussi caméra, formation de l'image. Voilà, formation de l'image, je préfère. Voilà, bon, j'avais pas au début, j'avais pas vraiment réglé. Je vais faire simplement pour filmer. Là, on fait voir tous les réglages qu'il y a dessus. Voilà, musique pareil. Voilà, j'ai fait close, open. Moi, j'ai fait close toujours. Voilà, tout simplement. Puis bon, je vais tout de suite un. Pour l'avis, le pacifistique du truc, d'abord, après, enfin, l'avis des vidéos, comment ils sont. Voilà, sur le son et tout ça. Donc, à tout de suite. Voici le sublog. Et la fin. À tout de suite. Donc, maintenant, on va essayer les vidéos. Où en sont ça fait. Bon, ça fait bien. Bon, là, bon, ça, c'est photo. Je vais essayer. On va plutôt les vidéos. Donc, on va voir. Alors. Apparemment, je sais pas si on peut les voir. Voilà. Bon, ça, c'était la fin des vidéos que j'avais faites. Bon, je vais voter les débuts. Alors, c'était avant. Bon, c'est tout le début, ça. Hein. Voilà, si je peux voir carrément entre, voilà, j'ai vu noir et blanc, voilà, hop, voilà. Donc, bon, là, c'est en ralenti. Hein. Vous voyez la vidéo ralentie, hein. Bon, je vais faire ça ralenti. Voilà, donc appuie juste là, hop. Voilà à peu près comment c'est. Vélo, voilà. Simplement. Ensuite, on a quoi? On a ça, voilà. Bon, c'était en mode ralenti là. Voilà, mode direct ralenti. Bon, l'image est très bien. Voilà, l'image est très bien. Voilà. Hop. Donc ensuite, on a quoi? Ben, ça aussi. Des fois, je sais pas ce que j'ai filmé, mais. Mais bon, on va dire c'est une autre caméra quand même. Donc là, son noir et blanc. Voilà. Donc, voilà, je vais en couleur. Tout simplement. Voilà. Hop. Bon, j'ai pas mis le son, je crois que j'ai oublié de le mettre. Et j'ai pas tout réglé. Hein. Voilà, tout simplement.
Home petite caméra qui marche très bien. On va mettre mode de noir et blanc. La mode nocturne, là. Noir et blanc. C'est très bien aussi. Ensuite, on a quoi? Alors, Joseph. Hop. Après, on a. Là, c'était carrément à l'extérieur. On monte quand même. Voilà. Là, j'ai du son à faire. T'as pas vu, moi? Ensuite, vous avez aussi celui-là. Hop, ça, bon, celui-là passe pas non plus. Voilà, la vidéo qui passe pas. Bon, ça, c'est une photo. Bon, là, c'est. J'étais au-dessus des Sur le tours. mur, Voilà, bon, ça ça. s'appelle, parce que les tours, ils vont écrire pour me dire, voilà, À peu près comme on sait. là, la vidéo L'image est très nette. sur la Du 4K, résidence c'est très net. Moi, pour bon, là, j'ai pas fait du 4K. Voilà, je fais du 4K que je mettrai le montage. Voilà, tout simplement. Voilà, on recommence. J'ai loupé des passages. Hop, voilà. Là, c'est pareil. C'est bien aussi. Ensuite. Voilà. Là, j'étais carrément dans les tours. J'ai zoomé tout ça. Voilà, pour faire voir. Tout. on dirait être là, j'ai fait à peu Voilà. près, enfin, pour être français, vraiment, incroyable. Après, vous avez quoi? Vous avez celui-là aussi. Ça vous a fait voir avant. Sont en version ralentie, on dit avant. Voilà. Magasin à côté. Voilà. Hop. Simplement, comment c'est fait. Voilà. Ralenti, zoomé. Là, tout simplement. Voilà comment c'est. Voilà. Très bonne caméra. Hop. Ok. Donc maintenant, je vous dis tout de suite pour l'utilisation du caractère technique et puis tout ce qu'il y a, tout ce qui est, bah, je dirais, les défauts, les bons et les mauvais. Voilà. Tout simplement. À tout de suite. Bon, bah voilà, mes amis, hein, pour la petite caméra 4K Ultra HD, voilà tout. Bon, c'est une bonne caméra, on va dire. Hein. Bon, avec ses accessoires, vous avez le truc anti pour l'ombre, hein, voilà, anti-lumière, ce qui peut cacher les lumières si vous avez des problèmes, si vous ne voulez pas. Et pour aussi pour le son, qui est pas mal aussi. Bon, c'est vrai, il y a beaucoup de réglages à faire. Hein. Vous avez fait voir simplement certains. Niveau de réglage, je vous ai fait voir à peu près autre modo. Donc voilà, avec le truc son, bon, là, quelques trucs que je réglerai entre deux, parce que le son ne tombe pas, donc on entend, donc c'est pas mal. Bon, le petit bémol, c'est que le montage, vous prend un logiciel, parce que certaines caméras comme celui-là, il a quand même des montages à faire. Bon, vous avez une application sur Android, ou sur Android smartphone, ou sur aussi. Sur Apple, mais là il n'y a pas. Donc c'est ta caméra, il y en a. Mais bon, celui-là, je vais en prendre un qui n'a pas de montage que j'en ai déjà. Donc c'est une bonne caméra, mais pour YouTube, hein, vous pouvez avoir aussi d'autres applications comme Windows Movie, voilà, ou d'autres montages que j'ai. Vous avez fait voir précédemment sur mes vidéos, vous verrez. Donc voilà. Donc aussi pour le son, il est pas mal. Voilà, vous pouvez mettre de la musique aussi, hein, c'est de la musique, donc c'est bien aussi. Donc pour l'image et la vidéo, c'est correct. C'est super, voilà, du 4K. Même mettre ça en 4K, vous pouvez le faire aussi entre deux. Et aussi, pour zoom, c'est pas mal. Voilà, vous pouvez faire du sépia, vous pouvez faire aussi du noir et blanc ou de la couleur. C'est vous qui voyez, hein, que ce soit pour les mariages, fêtes de baptême, ou sinon pour les vacances, voilà, ou quelques trucs que vous pouvez faire en vidéo. C'est une petite caméra, tout, pas très lourd. Hein. On peut dire qu'elle fait à peu près, avec tout l'équipement, on va faire à peu près dans les 50 grammes, même on dirait 50 grammes à peu près, hein. On dire pas 1 kilo, mais 50 grammes à peu près. Hein. Voilà. Avec deux batteries, hein, en général, parce que les batteries durent à peu près dans les 30 minutes ou 50, je crois que c'est par là. Hein. Je n'ai pas encore vu vraiment le maison de la batterie, je crois que ça fait 1500 Ah, donc à peu près dans les unités. 7, 3,7 volts, voilà tout, donc tout.
1500, bon, ça peut près durer à peu près dans les près une heure, hein, peut-être une heure de vidéo, voilà tout, je ne vous mets pas trop, voilà, tout simplement. Donc c'est une bonne caméra quand même, hein, voilà, sa batterie plus son câble USB. Voilà, ça c'est démontable, voilà tout. Hop, démontable directement, c'est formé, voilà, démontable. Voilà tout, on va faire. À part, je vais dire pare-soleil tout à l'heure, c'est un petit pare-soleil. Un pare-soleil, deuxième pare-soleil plus gros. Voilà, puis le son. Voilà, et aussi, en plus, il fait câble USB normal et aussi câble HDMI. Voilà. Mais sur la télé ou sur un projecteur, si vous voulez, hein, voilà, ça votre guise, ou sur une télé, ou sur ordinateur, ou sur la base, vous avez USB sur tablette aussi, voilà, sous n'importe quel format, si ça va avec. Voilà, tout simplement, ça c'est démontable aussi, vous allez démonter ça, voilà, hop. Et ça, vous n'avez pas dit, mais ça peut se recharger aussi, parce que vous pouvez même, entre deux, sur le truc de la caméra, vous pouvez même recharger en même temps le petit micro. Donc le micro, si vous voulez, vous pouvez le recharger, je crois, parce que normalement, si je ne me trompe pas, sur les caractéristiques, donc voilà, hop, vous pouvez recharger ça sur le tout de la batterie. Donc je vais vous faire voir quand même, donc voilà, je n'ai pas tout fait voir, hein. Là, le micro, vous l'enlevez là, voilà, et vous pouvez le recharger directement sur la prise que j'ai là. Voilà, hop, je vais le mettre, voilà, et ça, vous voyez, vous pouvez le recharger. Donc c'est rechargeable à tous les niveaux. Voilà, hop, vous mettez à fond ou pas à fond du tout, vous qui voyez, hein. Voilà, vous voulez recharger. Bon, je vais essayer de recharger quand même, tout simplement, pour une prochaine vidéo que je ferai avec la caméra. Parce que cette caméra-là, je vais m'en servir pour faire mes vidéos sur ma chaîne. Parce que bon, c'est vrai, d'habitude, je filme toujours avec un portable. Vous voyez, mon portable, je fais toujours avec mon portable. Je vous ai fait voir récemment sur mes vidéos qui s'appelle Huawei Honor 8. 8, 9, 8 hits pour l'instant, en réparation, parce que je l'ai fait tomber sans faire exprès avec le trépied. Donc là, c'est 8, 9 qui est pas mal aussi. Mes questions sont, ça reste à voir, question d'unité du la tablette. Et aussi, j'ai les tablettes aussi, vous faire voir ça, entre deux. Donc là aussi, pour la tablette là, que vous avez acheté aussi, le Honor Huawei, pareil. Qui est pas mal aussi celui-là, parce que c'est une bonne tablette aussi. C'est voir ça, une de mes vidéos. Bon, là il a plus de batterie, mais une de mes vidéos, je pense, là, il a de la batterie. Je me suis trompé, ah, ça arrive. Voilà, j'ai aussi celui-là comme Huawei. Voilà, c'est la tablette Huawei qui est pas mal. Voilà, c'est une bonne tablette aussi. Je vous ai fait voir ça, une de mes vidéos. Voilà. Bonne tablette aussi. Voilà, début, tu filmes avec ça, avec un portable ou avec une tablette. Vous voyez, les instruments que j'ai pour ma chaîne, c'est beaucoup équipé. Il faut beaucoup s'équiper pour faire une vidéo. Parce que si vous ne équipez pas pour faire une bonne vidéo, c'est sûr que ça n'a pas même bien marché. Voilà. Et aussi, vous avez un trépied aussi, trépied pour filmer. Voilà, pour bien établir. Bon, pour acheter un autre, parce que j'ai cassé le truc qui va dessus. Et aussi, vous avez quoi comme matériel pour faire voir ça? Donc aussi, vous avez ce petit présentoir pour portable, que portable, hein, que portable pour mettre ça là, voilà, pour bien mettre les trucs. Soit vous le mettez comme ça là, et vous le mettez là-dessus, comme ça fait aussi film. Vous ne pouvez pas le mettre où, c'est pas possible. Ça, j'ai cherché chez Action, voilà. Bon. Et pareil pour celui-là, qui est pas mal aussi. Celui-là, il est très bien, là, tout. Bon, savoir poser les trucs pas trop lourds, parce que moi, je peux plus tablette dessus. Ça va, donc pour vous dire que question matérielle, hein, ça manque pas. Voilà. Donc voilà, vous avez ça aussi pour faire des vidéos avec vos tablettes ou votre portable, mettre dessus, acheter chez Action. Voilà. À peu près dans les 3-4 euros, pas cher. On n'a pas besoin d'acheter au magasin, plus cher. Ça sert à rien. Voilà. Tout simplement, puis bon, voilà. Bon, moi, avec tous mes matériels que j'ai, vous savez, je suis presque bien équipé, hein, parce que pour être youtubeur, il faut être équipé selon tout ce qu'il faut pour montage et tout ça. Donc pour montage vidéo, bon, pas besoin d'avoir un iMac ou un Apple, pas besoin d'un truc très cher et énorme et très très blindé pour faire quelque chose de bien. Là, juste avoir quelques logiciels gratuits ou pas du tout. Bon, on peut acheter des logiciels, mais ça c'est bien. Voilà ce que j'ai entre une caméra 4K Ultra HD, voilà, que système Wi-Fi,
Voilà, vous faites voir le fichier. Bon, ici, ça va directement. Voilà. Avec un smartphone, c'est aussi bien aussi, mais bon, pour avoir le bon son et une bonne image. Et aussi la tablette, pareil, pour avoir le bon son et une bonne image aussi. Voilà. Tout ça, et aussi d'autres trucs, vous dire aussi, entre deux, j'arrive tout de suite. Et pour les montages vidéo, vous avez aussi le nom Animonica montage vidéo. Donc ça, c'est bien aussi. Pour faire le montage, je vous ai fait voir un peu de temps sur une de mes chaînes, une de mes vidéos que j'ai fait. Donc voilà, c'est aussi bien pour monter les vidéos, pour faire des écritures et pour faire tout ce qu'il faut pour faire bien. Voilà, tout. Il y a aussi eMovie Maker qui est bien aussi. Voilà, eMovie, oui, eMovie, hein, on va dire aussi... Windows Movie Maker, on dit Movie, non, c'est pour iPhone ou Apple. Donc Windows Movie Maker, c'est bien aussi. Bon, on a mieux, mais autant faire ça que mieux, pas du tout. Voilà. Donc, pour vous dire que tous les matos que j'ai, voilà, entre ce que j'ai là, plus ce que j'ai là, voilà, il faut voir, hein, tout ce que j'ai là, voilà. Tous les matériels que j'ai pour monter ma chaîne, voilà. Oh, c'est beaucoup de travail, hein, c'est ça prend beaucoup de temps. Quand j'ai repris le travail, bon, c'est vrai que entre le travail que je reprends et les montages que je fais chez ma copine, entre deux, ça aurait juste du temps. Pour moi, un certain temps pour monter, font moins à peu près 2 à 3 heures de montage. C'est vrai, ça prend du temps, tout ça, sur la connexion d'internet, tout ça, ça arrive. Hein. Parce que quand on a une mauvaise connexion, ça base beaucoup. Parce que quand on mettait après une vidéo sur la chaîne sur YouTube, ça prend du temps. Malgré si la personne, ou chez ma commune par exemple, l'internet, ça passe moyen. Bon, je ne vais pas la critiquer internet, mais c'est vrai, ça passe moyen. Mais par rapport à chez certaines personnes, ça base beaucoup plus. Voilà. Donc pour vous dire que entre une caméra 4K qui est pas mal, question d'usité, qui coule aussi. Moi j'adore ce genre d'appareil. Voilà. Avec la caméra qui est pas mal aussi, est-ce que vous pouvez filmer, c'est très bien. Entre aussi présentoir pour portable et surtout le portable, entre deux, vous avez tous les matos qu'il faut, hein. Faut bien être équipé pour bien faire. Voilà, le portable, voilà, bon, je ne filme pas parce que je faire simplement ce que j'ai comme matériel, voilà, vous savez maintenant, hein, et tout, hop, voilà, ok, voilà, tout simplement. Et aussi la tablette, voilà, c'est vrai, j'ai beaucoup de travail, moi, enfin, j'ai beaucoup de matos, je travaille, oui, je travaille, beaucoup de matos, voilà, voilà, à peu près, j'ai tout ça, voilà, plus le nouveau que j'ai là, voilà, voilà, tous les matos que j'ai pour faire une bonne vidéo sur ma chaîne, autant que YouTubeur, voilà. Bon, pour finir pour la vidéo, donc je vous dis tout de suite pour la fin de la vidéo spéciale caméra que j'ai acheté chez Amazon à 39,90 €. En vrai, c'est ce prix-là. Parce que ça a dû changer de prix, parce que ça change tout le temps chez Amazon. Voilà, 4K, spécial blogging et spécial YouTuber blogging. Voilà, on va dire ça comme ça aussi. Voilà. Donc, petite bonne caméra, tranquille, voilà. On servirait parce que. Parce que les portables c'est bien, mais il y a encore d'autres détails à faire et à rectifier. Voilà, à rectifier tout ça, tout simplement. Donc, je vais tout de suite pour la fin de ce vidéolog spécial, le caméra de chez Amazon. Voilà, à tout de suite. Donc, si vous avez aimé ce vidéoblog spécial caméra 4K de chez Amazon, on va refaire encore une fois, voilà. Vous aimez cette caméra qui est vraiment très bien, moi je trouve qu'elle est vraiment pratique, pas lourde du tout, et au moins le son est bien, voilà, avec le micro intégré que je recharge, voilà, tout simplement. Donc et tous les matériels que je vous ai fait voir, donc tout ce que j'ai simplement, et la télécommande, je vais venir, télécommande et le chargeur, et surtout les outils cache pour les ombres, voilà. Comme pour les ombres, pour pas être embêté avec le pare-soleil, voilà, dire pare-soleil ombre, pare-soleil, voilà. Donc vous avez aimé ce vidéo spécial caméra 4K UHD, envoyez des commentaires, hein, si vous avez aimé la vidéo, vous aurez toutes les informations sur l'appareil en question en bas de description sur ma chaîne, voilà, barre d'infos comme d'habitude. Et surtout, n'oubliez pas de liker sur le pouce j'aime, si vous avez aimé la vidéo, on a tout, n'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne,
Voilà, vous abonnez. Pour ceux qui sont abonnés, abonnez-vous. Ceux qui le sont, merci pour eux, merci pour vous, et merci pour votre soutien et mon encouragement aussi. Voilà, j'en ai besoin. Voilà, tout simplement. Et merci aux 533 abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci pour eux. Grâce à vous, je suis arrivé à 4400 et quelques heures de visionnage. Donc, 533, c'est bien aussi. Vous arrivez à faire près à 1000 abonnés pour aller encore plus haut. Voilà. Aussi plus haut, pas non plus bas. Donc, je vais faire au plus haut, hein, c'est mieux. Voilà. Et merci pour vous. Puis, continuez toujours à regarder mes vidéos. Hein, voilà. Que ce soit recettes, que ce soit technologie, voilà, comme les caméras, que ce soit vêtements, que ce soit repas, que ce soit dessin. Je sais que je dis toujours, je vais en faire, mais je vais en faire bientôt. Voilà, c'est bientôt l'inspiration, je vais en venir. Ça va venir, voilà. Donc, sur ce, je vous dis à très vite hein, pour d'autres vidéos à venir. Et portez-vous bien, passez un bon week-end. Et surtout, portez toujours le masque, malgré que c'est compliqué pour tout le monde. Donc, voilà, tout simplement. Soyez prudents, le tout. Et faites attention à vous, voilà. Prenez soin de vous et surtout bah, à très vite pour d'autres vidéos. Puis sur ce, bah, au revoir et puis merci pour votre soutien. Voilà. Puis regardez mes vidéos toujours. Voilà. Regardez et puis soutenez-moi. Voilà. À très vite et puis bisous à vous. Au revoir. Bonne journée.